Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ouais. Donc là en fait c'est une vidéo qui est consacrée uniquement aux pistes 4x4. On est actuellement en Géorgie dans le Caucase. Ouais, donc, le Grand Caucase. Donc le Caucase c'est la chaîne montagneuse qui est dans le nord de la Géorgie et qui sépare la Géorgie et la Russie. Pour vous situer. Donc là on est en pleine période de fonte des neiges. On va vous offrir des images spectaculaires. J'espère que vous allez bien en profiter. Alors ce qui est cool surtout c'est qu'on est à trois camions, trois vieux camions, d'où le titre de la vidéo. Trois vieux camions et ça c'est vraiment cool parce que c'est quand même rassurant de voyager à trois véhicules d'expédition, donc on peut vraiment tous s'entraider quoi. Donc on va vous faire un petit tour des camions. Mestia, ce sera le point de départ Mestia, ouais. Et on va faire de la piste jusqu'à Oujgouli. Donc il y a une cinquantaine de kilomètres à faire en piste. Par contre, la route, on n'est pas sûr qu'elle soit accessible. En plus, j'ai lu sur le site du gouvernement français, il n'encourage pas à s'engager sur les routes de montagne à cette période, parce qu'en fait, il y a la fonte des neiges. Et c'est également la période des pluies en ce moment. Ouais. Et il y a des éboulements. Donc il y a régulièrement des mouvements de terrain. Et donc on va y aller. Mais on va prendre un maximum de précautions. On est trois camions. Le but c'est de traverser avec les trois camions et de revenir en entier. Quoi. Le but c'est pas de se casser la gueule, se bloquer, faire de la casse. Donc on s'engage sur des grosses routes là, des grosses pistes. J'espère que tout va bien se passer et on va pas dramatiser après le truc, hein, mais juste ce matin, ce que j'ai lu sur le gouvernement, ça m'a un petit peu mis en alerte, on va dire. Ouais. Pas refroidi, mis en alerte. Okay. On écoutera les locaux, c'est l'essentiel. Allez, en tout cas, on vous emmène, on vous montre toutes ces images. J'espère que ça va vous plaire et nous, j'espère qu'on va prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors on a le premier camion là, c'est Expédition Diesel, donc c'est un vieux MAN 1136, vraiment chouette. Donc c'est un couple de Belges qui voyagent dedans, Denis et Nathalie. On a bien évidemment, maintenant vous commencez à le connaître, le camion des petits Dufs en roue libre, donc Swazik et Ben, voilà, donc on part aussi avec eux. Donc un beau Magirus, on vous a déjà fait le truc tour de ce Magirus. Et bien évidemment, on part avec Shaman, notre Man 4 de 1978. Alors, allez, c'est parti, on y va, c'est parti pour la piste mon chéri. Allez. T'es prêt? On vous embarque. Qu'on s'arrête déjà sur la route tellement c'est beau. Je vous fais une petite vue du paysage. We'll be right back.
Bah, on va être pas mal là. Il y a tout, gasoil, banque, téléphone, restaurant. C'est pharmacie. Ce qui nous importe. Il y a du bruit celui-là. Ouais, là, ouais, ils sont relous. Bon, on a une mauvaise nouvelle. Donc ils nous disent que ça passe pas avec nos véhicules sur la route. Mais oui, mais Olivia m'a dit que ça passait, donc ça passe. Là, c'est des locaux qui nous disent. Mais Olivia m'a dit que ça passe. Ouais. Ok. Me, my wife, two children. Bon, bah on va voir. Bon, je sais pas de quoi il parle. Bah, je pense qu'il propose de nous emmener là-bas où je voulais, mais bon, ça m'intéresse pas d'y aller. Ah ouais, non, non. Ouais, ouais, on va y aller en camion, bah là je sais pas, du coup on va voir ce qu'on fait. Bon, on va quand même essayer, je pense. Hein. Ah non, on est là. Qui ne tente rien n'a rien. Comme dirait notre ami Engen, no risk, no story. Yeah. Bah là je viens de parler avec la police, bon, ils comprenaient pas trop ce que je disais, ils parlent pas anglais. Mais étant dit que ça passait. Les camions là, où je goulis. Il dit from, je dis non, I want to go to Zhguli. Il dit ah, no problem. It's good, the road is good. We ask other people on the day. Là, c'est la police. Hein. Yeah. Allez, on va manger, les gars, là. On peut pas en parler en train de boire une bière, tout ça, là. Blotti au cœur des sommets de la Haute-Svanétie, Mestia est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville, perchée à 1500 mètres d'altitude, possède une particularité et pas des moindres. Chaque habitation est dotée d'une tour de guet datant du 9e au 13e siècle et elle servait à protéger les demeures des attaques ennemies. Bon allez, trêve de bavardage, il est temps maintenant pour nous d'aller casser la croûte. C'est parti. Cool, on a trouvé un petit resto, on va dire, de caractère. C'est sympa. On va regarder la carte. Tu vas trouver ton bonheur, tu crois? Ouais, il y a des pizzas. Il y a pas mal de choses là. Regardez, pour vous donner une idée un petit peu des plats. Alors ça, c'est cool. C'est quand dans les restos, ils nous mettent les photos des plats. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, et en plus, c'est traduit en anglais, donc ça, c'est nickel. Bon, on a bien mangé les copains là. Hein, ouais. C'était consistant. On va marcher un peu là parce que on a besoin là. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire tout le temps, ces deux-là? J'aimerais bien savoir. Ils sont toujours en pleine conversation. Bon, on se prend une petite pluie. Petit sou, j'ai retrouvé un petit sou. Regarde, je suis en train de vous parler, j'ai trouvé un sou par terre. Bon, on se prend une petite pluie, une petite averse, c'est pas grave, ça mouille, on rentre. Et on va aller escalader au spot qu'on nous a indiqué. Bon bah voilà, on est tous posés. On est à peu près tous plats. On est au bord de la rivière. Il y en a même qui ont fait du feu, regardez. Ce soir, on va peut-être pouvoir se faire un petit feu s'il pleut pas. Je vais y aller, mais... On regarde Ben, ce qui arrive là-bas. C'est quoi qui tue ça? Regarde, il y a un ours. Il est complètement malade. Fais gaffe, il y a des chasseurs, Nico. Ils vont croire que t'es un ours. Les gars, on en parle? Est-ce que tu crois qu'ils vont pas me striker la vidéo pour nudité, là? Ça va être fraîche, hein. Mais elle est chaude, papa, l'eau. Il me fatigue. Il y va, hein. Regarde-le. Il part sous l'axe. Alors c'est quoi là? C'est atelier, c'est la guitoune des ateliers là? Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que ça fabrique? On va chasser ça. Des arcs. Et va falloir faire des flèches. Papa, il est en train de me la faire. Ah, c'est... mais c'est une flèche, ça? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, j'aime trop les ateliers des papas, moi, c'est trop kiffant. On va aller à la guerre. Ouais. On va aller chasser l'ours. Et en attendant, on va, les on filles, va. Elles dessinent. Ouais, elle est toute seule, et du moi, coup. Mais... ah, c'est beau. C'est tellement sexy. Comment tu vas le tuer, le loup? C'est tellement sexy. Avec mon nerf. Mais t'as pas de nerf là, ça existait oui. pas à l'ancienne époque mais les nerfs. Il y a un nerf, il y a un arc. Un arc. Ah oui ouais, un nerf. Il est déjà pas obsédé de son pistolet lui, tu sais. Bon, bah allez, Didine, elle va aller nous faire un bon petit goûter, les gars. Depuis le temps que t'en parles. Ouais, j'y vais là. Je vais faire comme dans Hunger Games. Bon, ça y est, au bout de 5 minutes, tous les enfants sont équipés. Ça y est, ça marche, Sacha? Tu vas aller pouvoir chasser? Ouais, en fait, Ben, il m'a fait un truc qui m'a aidé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est, en gros, il a coupé un bout et il a fait un trou comme ça. Ouais, il a fait une entaille dans la flèche. Ouais. Vas-y, essaye. Montre aux abonnés, là, comment tu sais tirer. Pas ouf. Bon, faut pas qu'il y ait la guerre, hein. Yes! Nickel, bravo! Silence is everywhere, and you're not. Allez, jour spécial aujourd'hui, c'est le 11 mai, Sacha. C'est l'anniversaire de maman! Le 11 mai, c'est l'anniversaire à Didine. Alors vous verrez, on sera plus le 11 mai, ça sera trop tard, vous pouvez plus lui souhaiter bon anniversaire. Mais nous, en tout cas, on a décidé de faire une petite plancha avec les petits dus et nos amis belges Expédition Diesel. Voilà. Et on va se faire un petit repas malgré le mauvais temps parce qu'il fait pas super beau. Et ben on se démoralise pas. C'est quand même jour de fête, donc on va faire la fête. Merci à tous pour vos petits messages. Là j'ai un petit message du Gaulois, ça me fait plaisir mon petit Gaulois, je te fais des gros bisous. Allez Nico, il nous fait une petite plancha là. Ça va bien se passer les copains. J'ai fait des saucisses. Il y a quelques légumes quand même. Bon, il fait vraiment pas beau. Mais regardez quand même, on a un paysage de fou. C'est trop beau. On est entre potes, c'est ça qui compte. Bah t'es content Nico, demain on va rouler, on va faire du 4x4. Ouais bah c'est temps, parce que là ça commence à vraiment... Ah t'en as marre? Ah ouais, le temps là c'est... Mais bon, on savait hein, qu'il allait avoir 3-4 jours de pas beau et... Mais bon, on est là pour quoi? Pour faire du... 4x4 et du hors-piste. C'est ça qui est cool. Soleil brille les gars. Putain, ça fait du bien quand il est là. Tous à poil et on se caresse. Non mais toi, je te jure, je vais te niquer tes roches, mais tu vas rien comprendre. Joyeux anniversaire Didine. Joyeux anniversaire Didine. Allez, je coupe là. Je sens que ça va partir en sucette. J'espère que je me fâcherai pas avec ta femme. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que quand elle fera des beaux rushs à des beaux endroits, bah déjà, elle risque de voir des cucu tout blancs passer. Franchement, il me saoule à chaque fois qu'on fait des rushs, il me les pourrit quoi. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est beau. Et pour Didine, allez péter les câbles. Hé les gars, aux manettes de la cuisine. Ça fait du bien là. Ouais, grave, j'avoue. Bon, alors il y a Alban qui m'a trouvé des bougies. J'en voulais pas, mais bon, il m'en a trouvé. On a combien, Alban? Alors, fais-moi voir, tu vas les mettre sur mon gâteau? Oui. Allez, vas-y, je te laisse faire, c'est toi qui prépare. Ouais. Elle a pas un an? J'espère que t'en as 44, hein. T'es chier, toi.
Ouais, il prépare mon petit gâteau, Bichette, il est trop mignon. Voilà, les Belges. Hip hip hip. Hurrah. Hurrah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Didi. Joyeux anniversaire. Souffle pas tout de suite. Ça réchauffe un peu le chapiteau, là, les bougies, là. Bravo! Bon, alors c'est vrai que quand on voyage, les fêtes de Noël, les anniversaires, eh ben c'est bien souvent seul. C'est bien souvent seul. Mais pas toujours seul. Parce que la famille qu'on a quittée en France, ben on a une autre famille qu'on a sur les voyages. Et c'est très très important d'avoir des amis sur la route. Parce que ces amis-là, dans ces moments-là, eh ben on ne se sent pas seul. Ce sont les plus importants, il faut le on dire. On ne se sent pas seul. Bon, calme-toi. Il faut quand même bien choisir, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'ils nous ont emmené nos copains Denis et... Oh là là. Teliani Valley. Un champagne géorgien. Ouais. C'est pas Thibaut tout ça? Merci Denis. Gaulois qui nous appelle. Comment ça va alors? Il peut pas se passer de nous, le Gaulois. Hein, alors il y a Denis et Nathalie qui nous ont préparé des petits pancakes et c'est mon petit Ben qui les prépare. Non, ah mais toi aussi, oh vous êtes trop mignons, je vous kiffe. Oh vous êtes trop mignons, merci. Regardez ce qu'elle m'a fait la petite Abigail. Oh là là, depuis tout à l'heure j'ai plein de dessins, c'est trop mignon, merci ma chérie. C'est vraiment très beau, merci ma puce. Donc là, allez, après être resté 3 jours sur le même spot, ça y est, on décolle. Le mauvais temps est passé, le soleil commence à arriver, donc ça c'est vraiment cool. Et donc là on commence à bouger, on commence à prendre la montagne et les pistes. Ouais. Donc là, ce soir, on va pas tout de suite à Oujgouli. Hein. On fait un arrêt parce que ça fait trop de kilomètres. Non, c'est pas que ça fait trop, mais on veut profiter. Il y a Oujgouli, apparemment, il n'y a pas d'endroit vraiment pour dormir. Ouais. Donc à mi-chemin, il y a un joli spot. On va aller se poser sur ce spot-là. Demain, on ira à Oujgouli. On reprend la route, voilà. Et puis après Oujgouli, on voit s'il faut faire demi-tour ou s'il faut emprunter une autre route. On ne sait pas encore. Allez, ben, on est parti. Du coup, on finit de tout ranger et on y va.
aller vers un petit village un petit peu perdu au milieu de la montagne. Un petit peu. Carrément même. Donc je pense qu'on va faire halte ici pour cette nuit et on va repartir demain. Hein. Alors ça fait vraiment bizarre parce que on a l'impression que c'est un village qui est abandonné, il n'y a personne dehors, il n'y a pas même qui vivent, ça fait vraiment vraiment bizarre. Bon, je suis pas sûre que là on va encore pouvoir échanger avec les locaux, Nico. Hein. Ouais, Georgie, je crois que c'est un peu particulier quand même. Hein. Ouais, ça va être compliqué, pour l'instant on n'a pas trop réussi à échanger avec les locaux. Ils sont assez, on va dire, froids. Alors bon, ils nous font signe de temps en temps, il y en a qui nous font coucou ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour échanger quoi. Allez, on va voir ça, on se gare et on va voir ça. Petite mise au point devant sur les camions. Bah ouais, puis là on est tombé en panne de Toki. Donc du coup on peut pas communiquer avec eux et c'est bien dommage. Je dois avoir un fusible qui a dû péter, ça se met plus en route. Ah ça y est. Bah c'est pas fusible déjà, ah j'ai un faux contact. Bon allez, on est reparti. Bon alors du coup on s'arrête pas dans le petit village qu'on a vu. On continue, on a décidé d'aller jusqu'à Oujgouli, donc de faire les 40 km aujourd'hui. Alors Ben a croisé un local qui lui a dit que les camions ça passait pas, mais on a quand même envie d'aller voir. Parce que souvent le jugement des autres n'est pas forcément bon, alors on préfère aller voir nous-mêmes. Et puis au pire on fera demi-tour, c'est pas grave. Ouais, il y a de la place, on n'est pas dans. Nous continuons de rouler sur ces routes accidentées. Rares sont les véhicules que nous croisons et les quelques personnes à qui nous avons pu demander si nous pouvions continuer nous ont donné des avis différents. Nous ne nous décourageons pas et nous voulons voir par nous-mêmes jusqu'où nous pouvons aller. Qu'est-ce qui se passe? Alors le gars il nous a dit que ça passait pas avec nos camions. Ici là le monsieur là Le monsieur qu'on a pris en voiture. Moi j'ai envie d'aller voir. On va jusqu'à Oujgouli ou quoi? Bah on essaye. Ouais. Et puis on verra. We try. Ok. Bien sûr, notre but n'est pas de prendre des risques pour rien, car nous sommes conscients que nous transportons notre maison et nos familles à bord de ces camions 4x4. Bon, on a frôlé le petit accident. J'ai failli lâcher une ligne. On s'est arrêté en fait et on s'est tous mis cul à cul un peu proche, donc champ de vision réduit, et en fait c'était arrêté pour un câble et j'étais pas au courant. Et au moment de repartir, j'avais le câble, il était dans le coin de la cellule et j'étais prêt à l'arracher. Donc la maison elle est sortie, les habitants ils avaient peur que
j'arrache leur câble et du coup c'est bon, on a réussi à passer. Comme quoi, il faut pas avoir la tête dans le guidon, hein. Faut sans cesse avoir la tête, les yeux à 360 degrés et regarder vraiment son environnement. Sozic et moi, on est souvent dehors pour faire les prises de vue extérieures. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à marcher, hein, Sozic. C'est ça. Alors, c'est quand même assez accidenté ici. Hein. Vraiment, là, tout s'effrite. Je sais pas, on dirait de l'ardoise. Ouais. Allez, on y retourne. Ah, il y a Nico qui vient nous dire quelque chose. T'as vu? On fait du sport, hein? On va attacher la caméra sur le cul du camion à... On va attacher la caméra sur le cul du camion à Expédition Diesel. Et comme ça, on sera filmé de face. Ouais, si tu veux. Bon, du coup, vous voyez, hein, je suis dans le camion, j'ai pas du tout validé l'idée de Nico. Déjà 3 heures que nous roulons, et la route nous demande de plus en plus de concentration et d'attention.
Le sol, fragilisé par la fonte des neiges et les derniers jours de pluie, fait qu'il est de moins en moins stable. Être trois dans ce périple nous rassure, et nous savons que nous pouvons nous soutenir en cas de difficulté. Jamais conseillé de prendre ces routes seules et nous prenons le temps de nous arrêter, d'évaluer et de nous concerter pour continuer. C'est de la bombe! C'est beau. Regarde ça comme c'est beau! Ah ouais, carrément! Ah, on laisse notre petite empreinte! De Tata de Trotter à Oujgouni! C'est pas si magnifique ça? Ça veut pas dire que la route elle est mieux. Hein. Non, bien au contraire. Hein. C'est toujours des pistes off-road. On a quand même pas mal de trous. Mais franchement, la nature là, c'est juste magnifique. Thank you.
une ville perdue au milieu des montagnes. Une ville que peu de gens ont l'occasion de se rendre à cause de ses routes souvent bloquées par la neige et des chutes de pieds. Il est temps pour nous de laisser reposer nos véhicules. Ils sont âgés, certes, mais ils nous ont conduits à destination. Non sans mal, mais nous avons pu compter sur leur robustesse, parée à toute épreuve. Bon, après une petite mise au point entre tout le monde, on a trouvé un parc Fortnite à 2 km, mais on ne sait pas encore si c'est accessible parce qu'il faut traverser le village. Donc, on ne sait pas encore comment sont les routes, les sols, si c'est assez large pour qu'on puisse passer. Donc, on va voir ça tout. Bon, on n'en est que à l'entrée du village et je pense à mon avis, ça va pas passer. Comme il dit Nico, il y a des fils électriques là qui sont pas très très hauts. À mon avis, ça va être compliqué là. On va voir. Donc il y a Swazik qui nous fait le signe des lignes électriques. Ça va être chaud parce que je les vois vachement basses quand même là. Ouais, donc elle dit que ça passe pas. Donc on va faire marche arrière. Et on va se reposer sur le premier spot. On va aller voir ce petit hameau, les gars. Ouais. Et va, go. On va attendre à bientôt. Reste là, nous. Non, tu viens, Sacha. Alors, on va rien que la route déjà. Bon, alors les chaussures s'enfoncent là, hein. C'est un peu la galère quand même. Hein. Oh, chantier! Hein. On va s'enfoncer là. Bon, ben, on y va. Là. Alors on arrive au centre du hameau. Ah, c'est vraiment. C'est coupé 6 mois dans l'année ici. Là, il y a un hôtel. C'est quoi ce grand bâtiment? C'est encore une tour de guet. De défense. Et là, il passe les camtars là. Ça passe pas là? Ah, c'est chaud. Hein. Bon, je me rappelle plus comment on dit bonjour en géorgien. C'est Kavajoba. Kavajoba. Alors là, c'est la galère. Hein. Ouais. Sacha, il est en basket. Va falloir faire tourner la machine à laver là demain. Ouais. On en parle du village abandonné là? Enfin, il n'est pas abandonné en fait, mais. Mais bon, voilà quoi. Il n'y a personne dehors en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire les gens là toute l'année, Nico? Ouais. Bon, il y a une deuxième dame qui arrive. Je
Ils sont tous âgés ici, tu crois? Adjoba. Là, on serait pas du tout passé là, hein, avec les fils. Avec la rue étroite comme ça. On a quand même deux maisons, on va dire à peu près neuves. Ça, c'est pas très vieux, ça, à mon avis. C'est magnifique. Donc, je pense que Oujgouli, c'est juste ici, en fait, juste après. C'est ça, Oujgouli, c'est juste après, là. Oui, mais ouais, on est dans le premier hameau, en fait. Et juste après, là, il y a Oujgouli. Vraiment le centre du village. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de commenter. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure, qui, on vous le promet, est aussi palpitante.